La Montérégie, particulièrement au sud-ouest de Montréal, on a connu de nombreuses heures de précipitations verglaçantes au courant de la soirée dernière, au courant de la nuit et même tôt en matinée. Et si vous voulez voir le résultat, regardez sur cet arbre-là. Moi, à l'œil, là, je peux estimer à peu près 1 cm de verglas qui est installé sur cette branche-là. Alors, ça vous donne une petite idée là, de l'importance de la précipitation verglaçante qu'on a connue. C'est sûr que sur les routes, le ministère des Transports passe, on s'en occupe, il n'y a pas de problème. Mais sur les endroits moins passants, je prends l'exemple de ce stationnement ici, c'est vraiment une patinoire absolue. Absolument. Ce n'est pas sans rappeler la crise du verglas qui, à ce moment-ci de l'année, il y a 25 ans, a privé d'électricité des gens pendant près de 26 jours dans la région. Quand ils sont venus ce matin, je suis sûr qu'il y avait un petit stress.